thank <laughs> you Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau webinaire consacré ce soir aux options. Je suis Issa Maïga, responsable du développement commercial chez Saxo Bank, et ce soir nous allons vous présenter le fonctionnement basique des options. Alors avant de commencer, je souhaite vous préciser que les informations présentées lors de cette démonstration vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d'investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour une indication, une incitation à s'engager dans un quelconque investissement. L'investisseur est seul juge du caractère approprié des opérations qu'il pourra être amené à conclure. Saxo Bank ne pourrait donc en aucun cas être tenu responsable de toute perte qui pourrait résulter des investissements effectués suite à cette présentation. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques sont basées sur des attentes, estimations, opinions du groupe Saxo Bank. Ces déclarations impliquent donc des incertitudes. Ce contenu est confidentiel et ne doit pas être copié, distribué, publié ou reproduit en partie ou dans son intégralité à des tiers. Ceci dit, ce que je vous propose, eh bien, c'est de nous plonger ensemble dans ce nouveau webinaire consacré aux options. Nous allons voir ce soir eh bien, le fonctionnement basique des options. Et je vous présente maintenant l'agenda. Alors, l'agenda pour ce soir. Ce que nous, nous allons commencer donc à, à regarder dans un premier temps, eh bien, ce qu'est une option, euh, décortiquer euh, eh bien l'option euh, à travers euh, toutes ses spécificités. Ensuite, nous allons euh, eh bien aborder ensemble les stratégies basiques donc euh, achat et euh, achat de call et de put, on reviendra donc, par la suite et enfin on pourra voir ensemble l'utilité des options bien alors je vous préviens qu'au départ donc il y aura euh, énormément de, de définitions euh, et donc ces, ces définitions vous permettront ensuite euh, eh bien de donner du sens à, aux exemples qui, qui viendront et euh, donc, il y aura beaucoup de définitions, donc ces définitions et ces, les termes employés, à la fin de ce webinaire, je l'espère, ensuite, vous parleront. Donc, alors, les options sont accessibles à travers un, un compte de trading euh, SaxoBank. Hein, euh, donc, ce sont les options constituent euh, des contrats financiers, donnant le droit, mais non l'obligation d'exercer les termes du contrat fixé à l'avance entre un acheteur et un vendeur. Ces termes sont le sous-jacent, la quantité et le prix. Le sous-jacent, cela peut être une action ou un indice. Cela peut être aussi une matière première, enfin des matières premières ou sinon euh, des paires de devises. Mais pour le moment, nous allons nous attarder uniquement aux actions et aux indices. Euh, les options permettent de répondre à plusieurs types de stratégies. Donc, on verra par la suite hein, au, au cours du dernier volet. Donc, les différents types de stratégies, cela peut être la couverture de portefeuille ou l'utilisation d'un effet de levier pour rechercher la performance. En raison du risque que comportent ces produits, eh bien, je vous précise quand même qu'ils sont destinés à des investisseurs expérimentés. Donc là, vous voyez en, sur l'écran que vous pouvez accéder à vos comptes Saxo via les deux plateformes que sont Saxo Investor et Saxo Trader Go. Aujourd'hui, nous allons illustrer les options à travers Saxo Trader Go. Alors, l'option, eh bien, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est un contrat qui vous donne le droit d'acheter ou de vendre. L'option est un contrat. Pour souscrire à ce contrat, eh bien, vous devez payer un prix. Ce prix est appelé Prime ou premium. Donc, vous verrez tout au long de, euh, de cette présentation, de ce webinaire, eh euh, j'utiliserai soit prix, soit premium ou soit prime pour que vous puissiez eh bien, vous familiariser avec euh, l'ensemble de ces termes. Ce qui est très important à savoir, c'est que vous n'investissez pas sur le sous-jacent lui-même. Alors, ce qu'on appelle le sous-jacent, je le rappelle, c'est l'action ou l'indice hein, dans le cas présent, mais vous investissez uniquement sur l'option. L'option ne donne pas le droit, euh, ne donne, donne le droit pardon, mais ne donne pas l'obligation d'acheter ou de vendre euh, un sous-jacent à un prix déterminé et ce à une date déterminée. À l'échéance, vous pourrez exercer cette option si elle est ce qu'on appelle dans la monnaie et ne pas l'exercer si elle est en dehors de la monnaie. Donc euh, il y aura toute une partie qui sera consacrée à l'exercice de, de l'option et je préciserai que il ne sera pas nécessaire de l'exercer si vous ne souhaitez pas l'exercer. Eh bien, euh, il y a deux stratégies basiques. Alors, euh, donc, dont, là, il y a l'achat de call et l'achat de put. Alors, le call et le put. Le call, nous allons commencer par le call. Le call, eh bien, c'est euh, l'option d'acheter un sous-jacent à un prix fixé à l'avance. Vous achetez donc le sous-jacent, vous décidez de l'acheter, donc le sous-jacent, ça peut être une, une action ou, euh, ou un indice, hein. c'est ce qu'on appelle le sous-jacent. Et ensuite, votre objectif, c'est d'anticiper une, une hausse de l'option. Donc cette anticipation, eh bien, euh, euh, c'est euh, un petit peu votre conviction. Vous pensez que l'action va, euh, va progresser, va s'apprécier. Vous pensez que l'indice, ou sinon que l'indice va s'apprécier euh, ou, ou monter, à ce moment-là, vous vous pos positionnez sur ce qu'on appelle un call. De l'autre côté, vous avez ce que l'on appelle un put. Eh bien Le put, euh, eh bien c'est l'option de vendre le sous-jacent. Donc l'action ou l'indice à un prix fixé. Donc le prix fixé, donc c'est ce qu'on appelle le, le prix d'exercice ou le strike. Et de la même manière, et eh bien euh, le fait de, de se positionner sur un sur un put, et eh bien cela euh, veut dire, cela implique que vous pensez que l'action ou que l'indice va baisser. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment deux positionnements. Vous avez d'un côté le call, l'achat d'un call. Donc qui est destiné euh, aux investisseurs qui pensent que l'action ou l'indice euh, bon, va, va monter, hein, donc les, les prix, que le prix va s'apprécier, que, que la cotation va, sera beaucoup plus élevée par la suite. Et de l'autre côté, vous avez l'achat d'un put, où l'achat d'un put, c'est euh, finalement euh, dans votre stratégie, vous pensez que le marché va baisser, et donc vous jouez euh, la baisse du marché, donc vous euh, vous positionnez, positionnez sur la baisse du marché. Donc, call et put. Donc ça, ce sont vraiment les deux, euh, les deux, les deux types d'options que vous euh, avez. Donc je vous rappelle que tout au long du euh, de ce webinaire, eh bien vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas à, à, à poser vos questions à travers le chat. Donc en résumé, l'option, eh bien est euh, le droit. Donc ça constitue constitue un contrat. Donc se constitue le droit d'acheter ou de vendre. Un actif, alors ce qu'on appelle un actif en l'occurrence dans le cas présent, donc c'est une action, un indice. On va s'attaquer euh, principalement aujourd'hui aux actions et aux indices, hein, et, et nos exemples euh, seront illustrés par euh, les actions et les indices. Donc, l'option, donc, est le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix et une quantité qui sont convenus pendant une période donnée, moyennant le paiement d'une prime. Donc, le prix que nous allons payer pour cette option s'appelle la prime. Il existe deux types d'options. Les options d'achat, donc, donc option call, qui donne le droit à son détenteur d'acheter une certaine quantité d'actifs à une date et à un prix convenu à l'avance. Et une option de vente appelée put, qui donne le droit à son détenteur de vendre une certaine quantité d'actifs à une date et à un prix convenu à l'avance. Donc, ce sont euh, vraiment les deux concepts fondamentaux des options, les calls et les puts. Alors, euh, il s'agit d'une présentation euh, basique hein, sur sur les options. Donc, c'est un webinaire qui s'adresse aux personnes qui commencent à, à investir sur les options ou qui n'ont pas encore investi sur les options. Euh, je vais vous présenter, eh bien, euh, je vais vous en parler hein, de façon très brève euh, de ce qu'on appelle les, les grecs. Hein. Euh, ici, je présente le delta, le vega et le theta. Je ne parlerai pas du, du gamma. Euh, donc, je pense que maintenant, vous, euh, à travers, je pense, l'épisode le, du Covid, vous êtes familiarisé avec l'alphabet euh, grec. Hein. Donc, euh, sur, euh, concernant les options, et eh bien, on utilise aussi l'alphabet grec alors, je vous donne quelques définitions. donc, euh, on commence par le delta. Euh, donc, del le delta, euh, on va dire que c'est euh, euh, le plus important hein, parce qu'il mesure euh, de combien varie le prix de l'option lorsque le sous-jacent augmente d'un euro. Euh, on en, je, vous, je, vous, je vous parlerai ensuite de, du delta à travers un, un exemple et vous pourrez ensuite euh, l'appliquer euh, et, et voir ce que, ça, ce, ce, ce que cela traduit euh, lorsque vous investissez sur les options. ensuite, il y a le vega. Euh, Il mesure euh, eh bien l'influence de la volatilité. Et ensuite, vous avez euh, le θ, donc le qui euh, mesure donc l'effet temps. Euh, donc euh, ces composantes, un β vega et delta, euh, on, pourra, on pourra rajouter aussi le gamma, euh, sont aussi des éléments qui constituent euh, le prix euh, de l'option. Donc, je continue. À travers un, un exemple, un exemple assez, assez parlant. Donc, euh, comme je vous l'ai dit précédemment, le delta représente le montant de variation du cours de l'option lorsque son sous-jacent varie d'un point, d'un point ou d'un euro. Un exemple un delta de 0,7 signifie que pour chaque un euro, chaque euro de hausse du sous-jacent, le call augmentera de 70 cents. Donc, c'est vraiment euh, l'effet, la corrélation entre euh, la variation euh, du, euh, du sous-jacent et euh, du prix de l'option. Et à l'inverse, le put euh, réagira euh, de la même façon, mais à l'inverse. Alors, il y a euh, trois concepts qui sont euh, fondamentaux. Il y a aussi euh, donc le, le concept du, euh, de l'option qu'on dit euh, donc dans la monnaie, à la monnaie ou en dehors de la monnaie. Euh, donc, une option qui est dite donc, euh, donc dans la monnaie, c'est-à-dire que le prix d'exercice, donc l'objectif de cours, est euh, inférieur euh, au, au sous-jacent, au cours du sous-jacent. Donc pour le cas d'un call, euh, donc cela représente un delta, qui, un delta qui est assez élevé, un delta de 0,7. Un, une option qui est dite à la monnaie, c'est que le prix d'exercice est proche du cours euh, du sous-jacent. Euh, donc proche aussi du, du prix d'exercice. Euh, donc C'est un delta qui est aux alentours de 0,5. Et, euh, et enfin, euh, lorsqu'on dit qu'une option est en dehors de la monnaie, c'est lorsque le prix d'exercice eh est bien euh, est supérieur euh, au cours du, euh, du sous-jacent. Donc un delta est assez faible, donc de 0,25. Donc on a euh, eh bien on, on a une définition des euh, différents concepts, c'est-à-dire que vous avez euh, en résumé euh, eh bien, une option qui est soit dans la monnaie, soit à la monnaie ou en dehors, en dehors de la monnaie. Je vais illustrer, illustrer ces, euh, ces propos par des exemples et euh, vous allez donc très rapidement comprendre à quel moment eh l'option se situe soit dans la monnaie ou en dehors de la monnaie en fonction qu'il s'agisse d'un call ou d'un put. Bien, alors euh, petite précision lorsqu'on parle d'options, on parle aussi de contrat. Lorsqu'on achète un contrat, eh bien, on, a, on achète un contrat de 100 actions. Lorsqu'on achète, eh bien, un contrat sur un indice, on achète un contrat sur 10 indices. Voilà. Donc, la quantité est de 10. Quantité de 10 sur l'indice. Alors, euh, nous allons voir ensemble la stratégie euh, basique, hein, qui consiste à, à acheter un call, donc une stratégie haussière. Regardons cet exemple ensemble. Eh bien, d'abord je vous donne je vous rappelle la définition du call donc une option call eh bien, accorde à son acheteur le droit d'acheter pendant une période euh, euh, une période donnée et à un prix euh, qui sont convenus à l'avance une certaine quantité d'actifs sous-jacents lorsque l'acheteur exerce son call et fait valoir son droit à l'achat le vendeur du call est obligé de livrer les actifs sous-jacents au prix fixé au préalable. Cette phrase, euh, eh bien cette phrase prendra tout son sens lorsque je vous présenterai euh, l'exemple qui va suivre. Grâce au call, l'acheteur fixe à l'avance le prix d'achat de l'actif sous-jacent. L'acheteur du call verse une prime au vendeur, donc c'est le prix que l'acheteur va payer, donc pour rémunérer son prix. Rémunéré pendant son obligation de vente. Cette prime reste définitivement acquise au venteur, même si l'acheteur décide de ne pas exercer son option. Donc, l'exercice de l'option, euh, eh bien, on en parlera par la suite. Euh, et là, euh, l'essence le, même du, euh, de l'achat d'un call, eh bien, c'est d'anticiper. L'acheteur d'un call anticipe en général une hausse du sous-jacent. Je continue. Alors, euh, pour illustrer mes propos, eh bien, je vais utiliser l'application saxo trader go. donc, la plateforme saxo trader go. donc, je vais vous présenter, eh bien, là, le, le tableau des options. donc, ici, j'ai pris l'exemple du, du titre bnp, euh, donc, l'une des plus grandes capitalisations bancaires en europe. Donc, le cours de BNP est à 44,66. Donc, la variation par rapport à la séance de la veille, ici, donc en cents. Ici, donc, la variation en pourcentage, avec l'ouverture, avec le plus bas et le plus haut, et la clôture de la veille. Alors, euh, voilà de quelle manière se présente le tableau des options. Ici, tout à gauche, eh bien, vous allez avoir eh bien, la partie qui correspondra au call, et ici, tout à droite, vous allez avoir la partie qui concerne les puts. Donc, nous allons nous euh, attarder sur la partie qui, euh, qui, qui présente, et eh bien, les calls. Nous allons regarder euh, en termes d'échéances. Hein. Vous avez plusieurs, des, plusieurs échéances. Les échéances, donc, sont des. Sont les, euh, sont les dates auxquelles les options peuvent euh, arriver à, à, à leur fin. Donc, en général, c'est toujours le troisième vendredi, vendredi du mois. Donc, ici, euh, vous avez des échéances pour euh, le mois de novembre, décembre et, et le mois de mars. Bien, euh, ici, vous avez ce qu'on appelle euh, eh bien, le, le carnet d'ordre avec les acheteurs et les vendeurs. Donc, euh, le, le marché est tenu. Hein, donc, il y a à l'achat ici, par exemple, euh, le cours est à 44. Et si vous, a, vous souhaitez acheter un call, vous allez euh, plutôt euh, prendre un, un objectif de, de prix qui est euh, plus élevé. Hein, vous, euh, vous pensez que le marché va, euh, va être plutôt haussier. Et donc, vous allez plutôt euh, essayer de voir euh, une option qui sera, euh, qui situera plutôt vers les 45 ou 46 euros. Parce que vous pensez que le marché va monter. Ici, euh, eh bien, vous allez euh, retrouver euh, les différentes notions hein, que nous avions présentées, euh, que je vous avais présentées auparavant. Donc, le delta et la volatilité. Donc, je choisis, euh, dans mon exemple, de prendre, euh, eh bien, de euh, choisir un, un objectif de cours à 46. Nous cotons actuellement 44 euros et, 70 cents, et 66 cents. Donc, 44,66 euros, le cours actuel. Et nous pensons que le cours va monter euh, d'ici fin novembre euh, à 46 euros. D'accord. Donc, euh, je souhaite en acheter. Donc, c'est-à-dire que je vais en acheter au meilleur vendeur. Donc, le meilleur vendeur, donc il n'y a qu'une seule ligne. Euh, donc, c'est le Market Maker. Donc, c'est 1,50 euros. Donc, si je souhaite me positionner, c'est ici. Donc, en acheter, c'est 1,50€. Alors, je, en général, hein, c'est cette manière dont ça se présente. Hein, on présente avec euh, un axe, hein, ici, avec euh, le, les, potentiels de, le potentiel, euh, les gains qui sont potentiels et les pertes qui sont potentielles. Avec ici, euh, eh bien, le cours de euh, BNP. Donc Comme il s'agit de BNP. Alors, l'achat d'un call BNP Paribas. Un call 46, prix d'exercice 46 ou strike 46. Alors, représenté par et eh bien euh, euh, cette courbe avec ici le potentiel de gain euh, théorique qui est euh, illimité. Ici, euh, vous vous rappelez, je vous avais dit que lorsqu'on achetait euh, un contrat d'option, et eh bien on achetait une quantité de 100 options. De 100, pardon, de 100 titres, donc cela veut dire que lorsqu'on achète une quantité de 1,50, et eh bien c'est 1,50 x 100, Donc ce qui représente 150 euros, donc ça c'est ce qu'on appelle la prime de l'option, donc c'est le prix, que nous allons payer donc c'est le premium et ce prix c'est à dire que si notre stratégie de hausse ne fonctionne pas et si en situation on va dire extrême nous devions perdre l'intégralité de notre investissement et eh bien l'intégralité de notre perte serait de 150 euros au maximum. Et eh bien le prix d'exercice que nous appelons strike il est ici 46 euros. C'est que nous pensons que le prix, euh, que le cours de, de BNP eh bien, va monter à 46 euros. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle euh, le, le point mort. Alors, qu'est-ce que le point mort Le point mort, c'est un petit peu euh, la terminologie aussi qu'on retrouve aussi euh, en, en commerce, hein, ce qu'on appelle aussi le, le seuil de rentabilité. C'est-à-dire, c'est le cours à partir duquel la stratégie devient gagnante. Alors, euh, d'où sortent ces 47,50 Eh bien, tout simplement. Euh, c'est 150 ici ramené à 46 euros donc c'est l'unité hein, donc c'est pour 100 actions donc c'est 1,50€ euh, par action par action hein, que le, le, le prix donc 46 plus 1,50 donc c'est 47,50 donc je vous rappelle euh, donc ce que je disais auparavant c'est que la, la perte maximale maximale donc c'est euh, qu'on qu pourrait avoir donc c'est 1,50 fois 100 euh, 1,50€ x 100 donc ça c'est notre investissement donc c'est la perte limitée au montant de la prime, ce qu'on a, qu a payé. Et ici, évidemment, c'est le point mort, donc seuil où la stratégie devient gagnante. 47,50 euros. C'est-à-dire que si le cours de BNP donc, passe à 47,50 euros, eh euh, nous euh, atteignons notre point mort, et c'est-à-dire que euh, les frais engagés euh, nous sont remboursés. Alors, 46 euros ici, ça illustre, illustre ce que je vous disais. Donc, avant euh, 46 euros, donc sur la partie gauche, c'est-à-dire tous les cours qui sont en dessous de 46 euros, eh bien, cela veut dire que euh, notre option est en dehors de la monnaie parce que notre objectif, c'est un objectif de cours de 46 euros. Donc, si le cours est à 44 euros, 44,50, 45 euros, 45,50 et euh, jusqu'à 46 euros, eh bien, enfin, jusqu'à 45,99, en l'occurrence, nous, nous serons en dehors de la monnaie. La partie droite, eh bien, au-dessus de 46 euros, eh bien, nous sommes dans la monnaie. Donc, être dans la monnaie, ça veut dire que nous pouvons exercer euh, notre, euh, notre option. Donc, l'exercice de l'option, j'en parlerai euh, à travers l'exemple de BNP. Donc, je vais toujours rester sur BNP. Ici, eh bien, euh, je vous euh, présente euh, toujours le, le tableau d'options avec à droite ici le ticket d'opération. Nous allons nous attarder dans un premier temps au euh, tableau d'options. Donc le tableau d'options, je vous reprécise eh bien, notre stratégie. Alors, notre stratégie aujourd'hui est, est la suivante. Euh, BNP cote à 44,66. Nous espérons que le cours monte à 46 euros. Et donc nous achetons une option, une option « Call ». Et donc notre stratégie d'investissement, c'est que le cours de BNP euh, eh euh, s'apprécie et monte à 46 euros. Euh, petite précision, euh, si nous achetons à 1,50... Évidemment, euh, enfin, je vous dis évidemment, mais en, en tous les cas, euh, compte tenu de, en prenant en compte la, le, le teta, le vega, euh, le, le gamma et, euh, et, le, et le delta, donc en fait tous ces, euh, tous ces, tout, toutes ces, euh, tous ces notions grecques, tous ces grecs qui représentent euh, le prix du, euh, le prix de, euh, de euh, le, le prix de l'option, eh bien, si le cours s'apprécie, euh, le euh, la fourchette va aussi s'apprécier, c'est-à-dire que la fourchette, euh, le market maker va, se, euh, va recalculer la fourchette et donc euh, le, le détenteur de l'option pourra aussi revendre son option sur le marché. Donc par la suite, je vous présenterai euh, euh, le, le tableau des options et euh, vous pourrez voir en direct eh l'évolution euh, euh, du market maker. Donc sur le côté droit ici, euh, vous avez euh, bien entendu le ticket d'opération. Eh bien, vous vous rappelez, nous avons euh, euh, eh bien acheté une quantité, enfin un contrat, euh, avec un prix d'exercice à 46 et euh, avec le cours de 1,50. Donc un contrat à 1,50. Vous regardez plus bas. Donc vous avez évidemment ici le, le coût euh, de cette opération. Et ensuite les, euh, la marge euh, et puis l'impact sur la marge hein. donc en cliquant je vous montrerai euh, sur le sur le ticket d'opération en, en direct tout à l'heure un petit peu à quoi cela correspond et ici vous avez donc voilà, ce, ce dont je vous parlais le premium le premium donc vous avez 150 euros ce qui correspond et eh bien vous voyez plus haut à un contrat donc c'est un contrat donc c'est 100, 100 pour euh, les actions 100 fois 1,50€. Donc le prix que vous allez payer, 150 euros. Donc je continue. Alors. Je vous ai parlé d'exercice. Il y a deux types d'options. Vous avez les options de type américain, donc c'est-à-dire des options que vous pouvez, que vous pouvez exercer à, à, à tout moment euh, entre le, le début et la fin de vie de l'option, et vous avez les options de type européen, euh, et ces options peuvent être exercées uniquement à l'échéance. Donc, ce sont les deux, 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 les deux notions fondamentales euh, lorsqu'on parle d'exercice d'option. Alors. Euh, autre chose vraiment euh, très euh, très importante, donc le prix d'exercice ou le, ou le strike, et donc c'est le, le prix, euh, c'est l'objectif de cours, et, et ça je vous en ai parlé euh, auparavant. Donc euh, pour euh, pour le call, donc c'est euh, l'objectif d'achat, donc euh, lorsqu'on souscrit, lorsqu'on achète un, un call, et pour euh, le put, donc c'est l'objectif de vente. Ce prix d'exercice est déterminé lors de la négociation de l'option et n'est pas modifiable pendant la durée de vie de l'option. Donc ce sont vraiment euh, euh, des notions très importantes. Bien, je vais euh, eh bien, illustrer mon propos euh, à travers un exemple concret en prenant euh, toujours l'exemple de BNP. Donc, je vous rappelle que euh, nous avons payé 150 euros pour l'achat d'un call BNP. Euh, donc, le prix d'exercice, donc c'était 46 euros. Euh, notre stratégie, c'est de penser que le prix va s'apprécier. Donc, le prix va augmenter. Hein. Donc, le cours de BNP passera de 44 euros à 46 euros ou euh, au-delà. Et les 150 euros, donc, représentent, eh bien, la prime ou la perte maximum, maximale que nous pourrions avoir. Voilà. Donc je reprends le euh, graphique précédent ici avec les 150 euros qui représentent donc la, la perte maximale. Hein, donc ça c'est l'investissement pour l'achat d'un contrat. Ici, eh bien le prix d'exercice hein, qui est 46 euros. Hein, donc c'est l'objectif de cours. Donc là je reprends vraiment le, euh, le scénario que nous avions euh, ensemble auparavant. Donc ici. On, nous sommes sur le, lorsque le, le cours est en dessous de 46 euros euh, lorsqu'il s'agit d'un call et eh bien nous sommes en dehors de la monnaie et lorsque le cours est au-delà de 46 euros donc supérieur à 46 euros nous sommes dans la monnaie donc être dans la monnaie cela veut dire que nous pouvons exercer notre, notre call et l'exercice je vous en parlerai à la suite donc lorsque BNP euh, eh bien, atteindra 46 euros nous aurons la possibilité d'acheter 100 titres BNP à 46 euros parce que vous vous rappelez hein, parce que l'option euh, donne le droit et non pas l'obligation d'acheter euh, eh bien le sous-jacent à un prix déterminé à l'avance donc le prix déterminé à l'avance c'est 46 euros donc cela veut dire que si l'action va au-delà de 46 euros 47 euros 48 euros vous aurez la possibilité d'acheter le euh, l'action BNP à 46 euros donc là, le point mort, euh, précisé, je vous l'avais précisé auparavant. Un exemple, alors lorsque BNP atteint 48 euros, donc 48 euros, donc vous vous rappelez que notre objectif c'était 46 euros, et bien euh, lorsque BNP atteindra 48 euros, et bien euh, nous allons gagner 50 euros. Je vous explique ce calcul. Eh bien, le calcul est, euh, est assez simple. Hein et euh, donc, vous allez gagner euh, 2 euros par action. C'est-à-dire 2 euros, c'est la différence entre 48 euros et 46 euros. Donc, entre 48 ici et 46, vous avez 2 euros de différence. Vous vous rappelez qu'en achetant un contrat, eh bien, vous achetez, euh, euh, bah derrière, euh, c'est un contrat qui, euh, qui est destiné à 100 titres BNP eh bien donc c'est 2 euros fois 100 titres BNP donc cela vous, dit, vous, vous euh, correspond à 200 euros à ces 200 euros eh bien il faut euh, y soustraire évidemment le prix que vous avez payé donc les 150 euros ici donc qui constitue euh, ce prix le, le, la prime hein, ou, le, ou le premium et donc lorsque vous soustrayez euh, euh, eh bien 150 euros à 200 euros vous gagnez 50 euros donc sur le, sur le scénario euh, à 48 euros, on peut aller plus loin. On peut prendre un autre scénario à 50 euros. Ici, lorsque euh, BNP passe à 50 euros, eh bien, vous avez la possibilité eh bien, de gagner 250 euros. La logique est la même. De 46 à 50 euros, eh bien, il y a une différence de 4 euros qui se traduit ici. ici. 4 euros fois 100 titres BNP. Cela correspond à 400 euros et vous euh, vous soustrayez de ces 400 euros, donc 150 euros. Donc ces 150 euros correspondent évidemment à la prime au prix de ce que vous, le prix que vous avez payé auparavant. Donc voilà, euh, cet exemple illustre parfaitement, et eh bien euh, lorsque votre stratégie est, euh, est gagnante, lorsque, lorsque votre stratégie est payante, cet exemple illustre parfaitement, et eh bien euh, les potentiels de, de gains que vous pouvez avoir. Évidemment donc euh, cela reste hypothétique hein, donc c'est euh, une, une hypothèse hein, donc, mais cela traduit parfaitement euh, eh bien le, le fonctionnement euh, d'une option call, d'une option donc, qui, qui vise à anticiper une hausse de marché. Donc l'exercice de, de l'option n'est pas obligatoire, hein, donc cela correspond finalement à l'exercice d'une option. Vous pouvez évidemment euh, entre-temps vendre l'option, hein, donc euh, vendre l'option sur le marché que vous avez achetée à €. Il se peut que cette option ensuite euh, cote... Euh, 1,60€, 1,70€ sur le marché. Tout dépend, et euh, eh bien, du, du, market maker et puis du, du, moment à laquelle vous vendez votre, votre option. Mais voilà. Donc, cet exemple illustre parfaitement, eh bien, l'exercice de, l'exercice d'une option, euh, dans le cas où notre stratégie est, euh, est payante et donc se révèle gagnante. Donc, je vais également illustrer et eh bien le concept de l'option dans la monnaie et en dehors de la monnaie. Donc ici j'ai pris eh bien, un graphique, hein, un graphique, le graphique de BNP, hein, un graphique de BNP représenté par des bougies, des bougies des chandeliers euh, japonais. Bien, alors ici, 46 Euro, vous vous rappelez Eh bien, c'était euh, 46 euros représentait l'objectif de cours. Donc, c'était le c'était le strike, hein, ce qu'on appelait le, le strike, hein, l'objectif de cours. Donc, ça, 46 euros. Donc, si vous êtes euh, si BNP cote en dessous de 46 euros, eh bien, nous sommes alors en dehors de la monnaie. Ici, si BNP cote au-delà de 46 euros. Alors, vous êtes dans la monnaie. L'option est dans la monnaie. Et lorsque l'option est dans la monnaie, à ce moment-là, on, on peut parler d'exercice de, 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 euh, eh d'option. Donc voilà, Donc, euh, l'exercice d'option, je pense, euh, euh, s'illustre parfaitement par euh, ce, ce graphique. Alors, euh, nous avons abordé ensemble la stratégie euh, haussière. Je vous propose eh bien, de voir ensemble la euh, stratégie baissière. Sur la stratégie euh, baissière, eh bien, nous allons nous positionner sur ce qu'on appelle un put. Donc, le put, je vous en ai parlé au début, je vous rappelle ce que c'est. Un put, un put s'accorde euh, donc accorde pardon, à son acheteur le droit de vendre pendant une période et à un prix convenu à l'avance une certaine quantité d'actifs sous-jacents lorsque l'acheteur exerce son put et fait valoir son droit de vente, le vendeur du put est obligé d'acheter l'actif sous-jacent au prix fixé au préalable. grâce au put, l'acheteur fixe à l'avance le prix de vente de l'actif sous-jacent. Le, le put, l'acheteur la, du put en, en résumé, l'acheteur du, du put, euh, euh, eh bien, va anticiper une baisse du marché. Voilà, lorsque vous achetez une option put, vous anticipez une baisse du marché. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder le tableau d'options. Le tableau d'options, eh bien, vous l'avez vu précédemment, lorsqu'on avait abordé les calls. Eh bien, c'est le même. Nous avons choisi aujourd'hui, maintenant, donc, la valeur Microsoft, donc, sur le marché américain. Et nous allons nous intéresser à la colonne des puts ici. Donc put, donc cela veut dire, donc je vous le rappelle, que nous euh, avons un, un scénario plutôt baissier. Alors euh, ici donc, vous avez sur la partie droite donc indiqué put. Ici les achats et les ventes. Donc si vous souhaitez, je vous rappelle, si vous souhaitez acheter, eh bien, vous allez venir acheter donc ici au niveau de, de la colonne des vendeurs. Ici vous allez avoir eh bien, les, les prix d'exercice qui sont indiqués ici, hein, donc les prix d'exercice qui sont indiqués ici sont valables pour les calls et pour les puts. Et ensuite, vous allez avoir de la même manière, ici, les, euh, eh bien, les, euh, les cours ou sinon les informations relatives aux sous-jacents. Donc ici, les prix d'exercice, je vous le rappelle, sont libellés, libellés en dollars. Alors, J'en profite aussi, je prends un petit instant pour vous montrer de quelle manière, sur la plateforme Saxo Trader Go, vous pouvez retrouver ce tableau d'options. Voilà, donc ici, je me mets sur l'onglet de recherche. Si je tape par exemple une autre valeur. Euh, je vais taper et euh, eh bien euh, TF1 ensuite je clique ici je descends sur options ici je vais avoir et eh bien les différentes options sur euh, le titre TF1 donc la chaîne de télévision euh, TF1 voilà donc le tableau euh, d'options s'obtient de cette manière et donc vous le voyez hein, donc c'est en direct hein, les, euh, les cours euh, évoluent donc le market maker euh, les market makers et eh bien euh, ajustent leur euh, leur prix en fonction de l'évolution du sous-jacent donc voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer au sein de la, de la de la plateforme Saxo Trader Go donc je reviens maintenant sur euh, euh, le tableau d'options et je poursuis euh, afin de vous euh, présenter de quelle manière et eh bien en optant pour une stratégie baissière et eh bien de quelle manière et euh, eh bien le euh, l'option va évoluer donc ici je vous rappelle nous sommes sur microsoft donc le microsoft euh, actuellement là le cours est à 237.06 euh, nous avons donc une stratégie à la baisse donc avec un objectif à 230, hein, donc euh, stratégie baissière à 230. Et ici vous avez la fourchette. Hein, donc je vous rappelle que si vous euh, souhaitez acheter, eh bien vous allez venir ici taper sur euh, cette colonne de, vende de vendeur, donc à 6,25. Alors vous avez euh, toujours cette représentation graphique avec euh, eh bien c est, c est ces deux axes, hein, donc euh, les gains et puis les pertes, et puis ici le cours de Microsoft. Alors, ce que vous remarquez, c'est que la courbe, euh, on, si, donc, si on la compare avec la, la courbe euh, qu'on nous avions eu, euh, que nous avons eu sur, euh, que nous avions sur, euh, sur, le, sur le graphique des, euh, des options call, eh bien, la courbe est, 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 est inversée. Donc voilà. Donc il y a une sorte d'effet miroir, entre guillemets. Donc ici, vous avez, bien entendu, eh bien, le, un potentiel de, de gain qui est toujours théorique, hein, qui, est, qui est illimité. Lorsqu'on se positionne à, à l'achat sur, euh, sur, un, sur une option put, ici, eh bien, vous avez le prix d'exercice qui est de 230. Voilà. La perte maximale, je vous le rappelle, comme pour le call, eh bien, ça, la perte maximale représente le, le prix, hein, le premium ou la prime. Hein, donc 6,25 euh, fois 100 parce qu'on parle d'une option sur action, donc 100, 100 titres, un contrat équivaut à 100 titres. Donc voilà. Et ici, donc le, cours, le cours actuel, 237.06. Ici, vous avez ce qu'on appelle le point mort. Donc je vous rappelle, c'est le cours à partir duquel la stratégie devient gagnante. C'est-à-dire que là on va procéder plutôt à une soustraction plutôt qu'à une addition hein, parce qu'on est sur un, sur un put. Donc on est à 223.75. Donc 230, on parle donc d'une action, donc on va s'intéresser simplement au 6.25 qui est ici. Donc 230 moins 6.25, ça vous fait 223.75. Donc c'est votre point mort. Ça veut dire que pour entre guillemets rentrer dans vos frais, il faut que, euh, eh bien que Microsoft descende à 223,75. Donc là, je vous rappelle, hein, vous êtes, euh, vous avez une stratégie euh, baissière et votre hypothèse, c'est que le titre Microsoft baisse. Donc, toute cette partie qui, qui est ici, donc à gauche, donc en dessous de 230, eh bien euh, tous les cours qui sont en dessous de 230, eh bien, sont considérés comme euh, étant dans la monnaie. Donc, si votre option, euh, si le sous-jacent est en dessous, cote en dessous de 230, eh bien, l'option sera dans la monnaie. Et au dessus, ici, voilà, donc tout à droite, eh bien, euh, si le, si le, si l'action cote au-delà de 230, eh bien, euh, eh bien l'option sera en dehors de la monnaie. Donc vous avez vraiment la démarche qui est, qui est inversée par rapport au, au call, hein, ce que nous avions précédemment. Donc voilà, euh, on, on reprend le, le tableau d'options qui est ici. Donc avec 615 à l'achat et 625 ici et c'est intéressant parce que je voulais vous montrer ici le ticket d'opération lorsque vous passez votre ordre donc l'idée évidemment c'est de passer un ordre et donc de continuer sur notre logique passer un ordre sur une option put hein, donc avec une stratégie baissière une option put donc 1 un, un contrat donc l'expiration donc 4 novembre le prix d'exercice donc 230 hein, donc c'est l'objectif de cours. C'est une option, une option, euh, donc option put, hein, donc euh, stratégie baissière et 6,25. Donc 6,25, euh, c'est euh, le prix qui est affiché hein, si on souhaite acheter cette option put. Ici, vous avez eh bien le, le coût, euh, les coûts qui sont relatifs et puis les différentes informations relatives à votre position en cash et euh, à votre capacité d'achat sur votre compte. Et ce qui nous intéresse ici, ça va être le premium qui est rappelé ici. Vous le voyez voilà le premium qui est rappelé ici. Voilà. c'est-à-dire le prix que vous avez que vous allez payer. Bien, ce que je vous propose, euh, c'est d'illustrer mes propos en utilisant encore une fois euh, ce, ce graphique. Hein, donc euh, toujours le même avec ici. Donc, vous voyez bien donc, les, les gains et les pertes et euh, le cours de Microsoft. Donc je vous propose d'avancer. Eh bien, euh, vous avez ici le même, la, même, la même courbe, avec ici le point mort, avec le premium, hein, donc euh, le prix que vous payez hein, pour euh, 6,25 fois euh, 100 titres Microsoft, avec ici toujours le potentiel, donc potentiellement, c'est donc le potentiel de gain théoriquement illimité. Ici, le prix d'exercice qui est de 230 dollars, que vous retrouvez ici sur votre gauche. Ici, 237,06, c'est la cotation actuelle hein, de Microsoft. Hein. Donc 237,06, ici aussi à gauche. Sur le côté droit, en haut à droite, et eh bien, vous avez, euh, eh bien, euh, donc, côté droit, donc, c'est au-delà de 230. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur une stratégie euh, à la baisse, hein, c'est-à-dire que nous pensons que le titre Microsoft va baisser. Donc, tous les cours qui sont au-dessus de 230 se trouveront, donc, l'option se trouvera en dehors de la monnaie. Et les cours qui seront, eh bien, en deçà de 230, 230 dollars, eh bien, ce, ce, l'option se trouvera et euh, eh bien dans, euh, dans la monnaie. Alors l'exemple que je vais prendre c'est avec un cours à 214 dollars. Le cours est à 214 dollars. Et euh, eh bien cela donne un potentiel de un gain potentiel de 975 dollars. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors Microsoft euh, cote 214. Donc le prix d'exercice est de 230. Donc, euh, la différence, c'est 16. 16 dollars. Donc, 16 dollars rapportés sur euh, 100 actions. Eh bien, euh, ça fait 1600. Donc, euh, potentiel de gain. Donc, 16 dollars par action. Donc, 1600. À cela, vous devez, eh bien, soustraire euh, le prix, hein, le premium, euh, qui est de 625 x 100. Donc, 625. Ce qui vous donne 975 dollars. Donc, voilà. Donc là, vous, euh, vous avez eh bien, une correspondance par rapport euh, à, le, à une cotation qui est de 200, 214 dollars et avec un prix d'exercice de 230. Donc ce, ce tableau, euh, ce graphique présente euh, parfaitement eh l'illustration d'une eh stratégie à la baisse concernant euh, une option, donc une option put. Bien. Euh, là, ce que je vous propose sur ce graphique euh, sur Microsoft, eh bien, c'est de vous présenter, eh bien, les zones. Euh, les zones euh qui caractérise l'option dans la monnaie ou en dollars de la monnaie, donc ça, ça vous donnera une, une idée vraiment imagée de de ce que cela représente. Donc le strike, hein, le strike, je vous je le précise, c'est ce qu'on appelle aussi le prix d'exercice. Donc je, je je fais exprès aussi d'employer de, des synonymes et employer deux trois termes parce que vous allez retrouver tout au long de de votre vie d'investisseur et eh bien ces termes soit en anglais soit en, soit en français. Donc le strike c'est le prix d'exercice. Donc là le prix d'exercice vous vous rappelez, c'est 230 dollars. Donc en haut et en bas. Donc en haut, donc ça, donc on va être à l'inverse. Hein. Donc comme on a une stratégie à la baisse, et eh bien en haut, on sort en dehors de la monnaie. En haut, ça veut dire au-dessus de 230 dollars. Et en bas, en dessous de 230 dollars, on sera dans la monnaie. Donc cela veut dire qu'on pourra aussi exercer, exercer notre euh, notre option. Pour quelles raisons euh, utiliser les options et euh, euh, quelles en sont euh, l'utilité Quelle en est l'utilité Alors, euh, je pense qu'on euh, on peut aussi prendre l'exemple de l'assurance. Euh, je vais euh, mettre en corrélation cet cette, cette exemple avec euh, l'achat de, de poutres que nous avions précédemment. Euh, alors, on part de l'hypothèse où je possède 50 titres Microsoft. Que j'ai acheté au cours de 232 euros. Euh, le titre baisse et vaut euh, 214 dollars. Donc j'ai acheté 232 dollars et non pas euros. Donc 232 dollars et donc le titre baisse et donc euh, Microsoft maintenant vaut, vaut 214 dollars. Euh, j'ai toujours les titres en portefeuille et euh, donc j'ai une moins value euh, latente de 18 dollars par titre. Euh, ce qui euh, constitue, euh, eh bien, une moins-value latente. Hein. Elle est latente parce que je n'ai pas encore vendu mes titres. Je n'ai pas encore réalisé cette moins-value. Ce n'est pas une moins-value réalisée. Hein. Donc, c'est une moins-value potentielle. Donc, si je vends mes titres. Donc, moins-value de 18 dollars par titre. 18 dollars fois 50 titres. Donc, une moins-value latente de 900 dollars sur ma position que j'ai euh, en ferme sur mon portefeuille, au sein de mon portefeuille. Donc, on passe de 232 à 214. Donc, vous vous rappelez euh, qu'auparavant, euh, eh bien, euh, lorsqu'on était, euh, eh bien, sur une stratégie baissière, où nous avions un, un, une option put, euh, une option put à, donc de 230 Microsoft avec un prix d'exercice à 230 dollars. Lorsque le titre était tombé à 214 dollars, eh bien, euh, nous pouvions euh, euh, potentiellement encaisser 975. Et eh bien, si vous euh, gardez votre position euh, au sein de votre portefeuille, si vous gardez votre position au sein de votre portefeuille, et eh bien euh, vous euh, allez avoir votre moins-value latente qui sera couverte par le gain que vous allez réaliser par ailleurs en réalisant cette opération sur une option put euh, sur Microsoft. Donc voilà, vous voyez euh, le parallèle que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous pouvez euh, vous positionner sur une option PUT, donc euh, à la baisse hein, concernant le titre Microsoft, tout en ayant des, euh, des titres Microsoft en portefeuille. Sur ces titres Microsoft, vous le voyez, vous avez une euh, position, enfin en tout cas une, une moins-value latente de 900 à 900 dollars. Et cette moins-value latente que vous n'avez pas réalisée peut être compensée par une plus-value euh, réalisée celle-ci euh, sur euh, une option euh, put sur Microsoft. Donc c'est très intéressant donc Pensez à, à, à ce système d'assurance aussi. Euh, mais évidemment, je vous le rappelle, euh, les options s'adressent aussi à, à, à un public euh, euh, et à des investisseurs qui sont euh, expérimentés. Donc c'est euh, utile avant de commencer à investir sur les options, et eh bien de vous, de vous documenter sur les options euh, avant de pouvoir évidemment investir euh, sur les options. Alors, je continue. Et euh, je prends un autre exemple, et cet exemple c'est un exemple que je pense que vous pourrez aussi comprendre très aisément, c'est l'exemple des compagnies aériennes. Vous avez des compagnies aériennes et eh bien qui ont besoin de, de kérosène pour euh, pour faire voler leurs avions. Et euh, eh bien kérosène donc issu du pétrole. Euh, donc certaines compagnies, enfin toutes les compagnies aériennes, et eh bien euh, afin de maîtriser leurs coûts, doivent aussi euh, pouvoir euh, anticiper les hausses du pétrole et ne pas se retrouver, euh, dans quelques mois, trois mois, six mois après, eh bien, se retrouver à devoir payer des, euh, 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 du pétrole plus cher que ce, qui, ce qui le, plus cher, voilà, du pétrole plus cher. Alors il y a plusieurs solutions, enfin il n'y a qu'une seule solution, je vous, vous dirais, c'est euh, se positionner sur, sur une option. Ce qui est intéressant, c'est que, je vous le rappelle, c'est euh, euh, évidemment si le scénario, si le pétrole, admettons, euh, si le pétrole euh, bah, baisse, et donc si vous avez un call, admettons que le, le baril du pétrole aujourd'hui euh, est à 70 dollars et que euh, vous pensez que le pétrole peut-être va euh, va peut-être passer les 100 dollars d'ici trois mois, vous prenez un call 80 dollars pour limiter, on, on va dire, votre euh, la hausse du, du pétrole et euh, évidemment le scénario, euh, le scénario eh bien, euh, se réalise, le, pétrole, le, le baril est à plus de 100 dollars et à ce moment-là le, les compagnies aériennes sont protégées parce qu'elles peuvent acheter le euh, baril à 80. Mais euh, chose importante, c'est qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Euh, si, euh, si le pétrole est, euh, est à 75, vous vous rappelez qu'elles ont, elles ont, elles ont, elles ont euh, la compagnie aérienne ou les compagnies aériennes ont des calls à 80, mais elles ne sont pas dans l'obligation de, euh, eh de, de réaliser cette opération parce que l'option, c'est un droit et ce n'est pas une obligation. Donc vous avez le droit, mais non pas l'obligation. Donc c'est vraiment très important de, de revoir, c'est pour cette raison qu'au départ aussi, je vous ai présenté toutes ces définitions et insisté sur, sur le droit et non l'obligation. Euh pour, pour un particulier, on, on l'a vu, c'est toujours utile de pouvoir investir en sur, sur une option, hein, sur, sur une option call, une option put. En l'occurrence là, sur l'option put. En, en termes de, de couverture, hein, de couverture de portefeuille, on, on l'a vu précédemment avec l'exemple euh, sur Microsoft. Hein, et là, vous avez compris euh, aisément de quelle, de quelle manière on peut euh, protéger son portefeuille euh, à partir du moment où l'action euh, que l'on possède dans le portefeuille baisse. Ensuite, vous avez la possibilité et eh bien de pouvoir réaliser des opérations sur des valeurs que vous avez en portefeuille, mais sans les toucher, c'est-à-dire en utilisant uniquement des options, parce que par exemple, vous pensez que les options que vous avez, enfin, les actions en direct, les titres en direct que vous avez, sont des titres qui offrent du rendement, donc à dividendes. Et eh bien, vous ne souhaitez pas vendre euh, ces, ces titres, vous souhaitez toujours continuer à encaisser les, les dividendes. Et eh bien, à ce moment-là, vous pouvez investir sur des options, soit avec des stratégies à la, à la hausse, soit, soit, soit à la vente. Euh, en l'occurrence, là, c'est plutôt à la vente, ce qui vous permet de pouvoir bénéficier toujours de vos dividendes. Et ensuite, évidemment, pour des raisons fiscales par rapport à vos plus-values. Donc, ça, ce sont des opérations aussi qu'on observe au sein de vos, au sein de nos, de nos clients chez Saxo. C'est euh, les raisons qui poussent aussi euh, un certain nombre de nos clients aussi à, à investir euh, au niveau des euh, sur, au niveau des des options. Alors. Euh, pour, pour pour résumer un, un, un petit peu les, les les opportunités que vous pouvez avoir en investissant sur sur les options, et eh bien vous pouvez rechercher de la performance hein, en investissant sur et eh bien sur ce qu'on appelle du directionnel hein, par rapport au marché, hein, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Vous pouvez Effectivement, aussi bénéficier d'un effet de levier qui est beaucoup plus important. Hein, et, et on l'a vu hein, euh, avec l'investissement, l'investissement qui est moindre, euh, qui est moindre, et avec aussi des, des capacités euh, de, de, de gains qui sont, qui sont beaucoup plus importantes. Hein, donc c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Euh, vous avez une limitation de perte. Hein, en tous les cas, pour les, euh, les exemples que nous avons pris, lorsque nous nous positionnons à l'achat sur les calls et sur les potes. Hein. nous avons, euh, comme je vous l'ai présenté, eh bien, le maximum de, de, de pertes que vous pouvez avoir, eh c'est la prime, hein. prime c'est le prix que vous avez payé au, au départ, euh, ensuite vous avez un courtage qui est moins élevé, le courtage est moins élevé si on, on le, le compare avec le courtage que vous pouvez avoir sur les actions américaines ou européennes, vous... Vous pouvez aussi profiter d'une volatilité. La volatilité est plus importante. Hein, donc, ce qui aussi euh, induit aussi euh, eh bien des versions de cours qui sont aussi très importantes. Hein. Et euh, enfin, en termes de, de couverture, hein, on, on l'a vu, hein, vous pouvez couvrir une position existante hein, en, en en allant à l'inverse, en prenant par exemple une, une option à la baisse, un, un put, vous pouvez couvrir votre portefeuille. Et euh, je vous le rappelle, hein, cette, cette présentation, c'est une présentation qui s'adresse aux aux, on va dire aux, aux personnes qui, qui investissent, aux investisseurs qui, qui débutent euh, au niveau des options ou euh, qui ont, ont peu d'expérience, qui n'ont pas encore fait leur premier trade. Euh, donc, je ne vais pas aborder les stratégies, mais et, euh, les stratégies euh, que je vous ai présentées, donc l'achat de call et l'achat de put, ce sont les stratégies euh, euh, qui sont euh, qui sont basiques. Hein. Après, il y a des stratégies qui sont beaucoup plus avancées où vous, vous pouvez combiner aussi euh, l'achat et la vente de put ou vous pouvez aussi ou de call, euh, l'achat de call, la vente de put ou sinon aussi vous pouvez acheter un call et ou vendre le call. Mais ce sont des stratégies que euh, nous pourrons aborder probablement dans un, euh, on va dire dans un webinaire plus avancé. Alors en résumé, lorsque vous achetez un call, eh bien euh, cela consiste à anticiper une hausse. et eh bien de l'autre côté, lorsque vous achetez euh, un put eh bien, vous achetez une option à la baisse et vous anticipez une baisse, une baisse euh, du sous-jacent. Sous et le sous-jacent peut être un indice ou une action. Euh, l'option est un contrat. Donc, pour souscrire à ce contrat, eh bien, vous devez euh, euh, payer un prix, hein, payer la prime. Et, euh, et enfin, je vous rappelle que vous n'investissez pas sur le sous-jacent. Vous n'achetez pas l'action euh, ou l'indice. Hein, vous achetez uniquement l'option. Euh, en résumé, je, là, je vous présente euh, eh bien, à, tra à travers ce, euh, à travers ce, ce, ce slide, eh bien, je vous présente eh bien, un résumé de, de ce qu'on s'est dit. Hein, euh, concernant euh, les options, vous avez tout à gauche euh, stratégie haussière. Une stratégie haussière, euh, eh c'est l'achat d'un call. Et si vous optez pour une stratégie baissière, eh bien, vous achèterez un put. Euh, les composantes de l'option sont les suivantes. Hein. Vous avez le sous-jacent. Le sous-jacent, ça peut être... Euh une une action un indice hein, ça peut être aussi autre chose hein, mais on n'abordera pas pour le moment euh, eh bien les matières premières ou en, en tous les cas les, les paires de devises euh, il, euh, il y a aussi donc le prix d'exercice hein, qui constitue le l'option le prix d'exercice donc c'est l'objectif hein, c'est l'objectif de l'objectif de cours du sous-jacent ensuite vous allez avoir l'échéance hein, l'échéance ça va être la date hein, donc on, là on l'a vu dans notre exemple nous avions pris une échéance au, pour le mois de novembre hein, ça aurait pu être pour plus tard hein, pour le mois de décembre et puis l'échéance est, est longue et puis l'option le, euh, le, euh, coûte cher hein, mais ça bon ça je pense que vous l'avez vu par rapport au tableau d'options en tous les cas je vous laisse le, le regarder aussi donc vous, vous pourrez le constater par vous-même ensuite sur la, la quantité hein, quantité ou euh, quotité aussi qu'on peut appeler quotité aussi euh, donc un contrat euh, sur une action vaut sans euh, action quoi voilà donc c'est un contrat sur une option donc c'est 100, 100 action et un contrat sur un indice et eh bien équivaut à 10 indices euh, donc ça est vraiment très important de l'avoir de l'avoir à l'esprit afin de ne pas être surpris euh, au moment où vous passez votre ordre et enfin il y a le prix le prix que vous payez qui est appelé euh, ou sinon la prime ou le premium. Donc voilà, euh, donc, je suis vraiment très content d'avoir pu partager ces connaissances avec vous, d'avoir pu euh, également illustrer euh, les positionnements que vous pouvez avoir euh, sur les options, aussi bien sur un call que sur un, que sur un put. Euh, nous euh, réaliserons d'autres webinaires euh, sur des euh, les, sur ce webinaire avancé sur les sur le traitement des, euh, des, des options je tiens à vous préciser que nous que vous avez également la possibilité de voir plus de vidéos sur notre chaîne YouTube, hein, notre chaîne, chaîne YouTube Saxo Bank. Hein. Vous avez accès à notre chaîne YouTube Saxo Bank euh, belgium pour euh, la partie euh, francophone, ou sinon la Saxo Bank chaîne YouTube Saxo Bank France hein, pour la partie aussi francophone. Vous avez aussi euh, une chaîne YouTube pour la partie aussi euh, pour ceux qui préfèrent et euh, eh bien la partie anglophone. Hein. Nous avons énormément de, de contenu sur nos Chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à, à, à consulter nos, nos pages YouTube. Euh, bien, je, je suis très content d'avoir pu partager ce soir ce webinaire avec vous. En attendant de vous revoir très bientôt, je vous souhaite un très bon trading et une très bonne soirée. Merci.